Bienvenue dans l'Observatoire, mon petit cabinet personnel. Nous serons plus tranquilles ici. Sache que les informations que je m'apprête à te divulguer ne sont connues de personne d'autre que moi dans ce monde. Je compte sur toi pour garder le secret. Très bien. Parlons de tes amis héritiers pour commencer. Comme toi, ils ont fait le voyage entre nos mondes et se sont retrouvés ici, dans le premier reflet. Seulement, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils viennent juste d'arriver. Entre le monde primitif et les reflets, il existe une certaine divergence temporelle. Une heure écoulée dans votre monde peut être équivalente à une heure ici, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les fluctuations sont irrégulières et impossibles à prévoir. Récemment, j'ai constaté que l'écart entre le passage du temps dans nos deux mondes avait tendance à se réduire. Nous n'aurons donc pas à nous en soucier dans l'immédiat. En ce qui concerne tes camarades, c'est Sancred qui est arrivé le premier, il y a environ 5 ans. Il a été suivi par Yashtola et Uriangée 2 années plus tard. Quant à Alfino et Alizé, cela fait bientôt 1 an qu'ils sont parmi nous. Crois-moi, je n'avais aucunement l'intention de les impliquer. Mais le procédé d'invocation est complexe, et j'ai commis quelques erreurs avant de viser juste. À cause de ces échecs relatifs, tes amis n'existent dans le premier reflet que sous une forme spectrale imparfaite. On peut les voir et les toucher, mais leur corps ne les a pas accompagnés. Contrairement à toi, qui devrais être en mesure de voyager librement entre nos deux mondes, eux sont malheureusement incapables de rentrer par leurs propres moyens. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai consacré beaucoup d'efforts à la recherche d'une méthode pour leur faire faire le voyage inverse. Mais lorsqu'Uriangée m'a confié avoir eu une vision lors du voyage qui l'a mené ici, j'ai dû revoir mes plans. Au sein des failles qui séparent les mondes, le temps et l'espace sont enchevêtrés de façon complexe. Là-bas, Uriangée a vu le futur. Il a assisté à la réunification du monde primitif et du premier reflet, ainsi qu'à ses conséquences. Dans sa vision, ton monde était ravagé par le 8e fléau. Un cataclysme entraînant la mort d'un nombre incalculable d'innocents. Parmi les victimes, il a reconnu un visage qui l'a particulièrement marqué. Celui de l'héroïne des héritiers de la 7e aube. Le tien. Tes camarades ont immédiatement pris la situation très au sérieux. Et ils se sont mis à chercher un moyen d'éviter cette réunification. Même si leur âme a quitté le monde primitif, ils n'ont cessé de se battre pour le protéger et pour te sauver. Au final, ils ont réalisé que les purgateurs sont une menace qui pèse sur nous tous. En les détruisant, notre monde pourrait survivre, la réunification serait évitée et la catastrophe n'aurait jamais lieu. J'ai conscience que ce que je viens de te raconter est difficile à croire. Que dirais-tu d'aller à la rencontre des autres héritiers présents dans le premier reflet pour en discuter avec eux? Je ferai tout mon possible pour faciliter vos retrouvailles. Et sois tranquille, je ne te forcerai pas la main. Si tu décides de rejoindre notre combat, ce sera ton choix. Quoi qu'il arrive, tu as ma parole que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour renvoyer tes amis dans votre monde, quand le moment sera venu. Je t'en donne ma parole. Alors accorde-moi ta confiance, s'il te plaît. Merci. Je te promets que je ne te décevrai pas. Je vais avoir besoin de régler quelques petits détails avant de prendre la route. Pourquoi ne pas en profiter pour reprendre des forces? Ce voyage a dû t'épuiser.
Je t'ai fait préparer une chambre où tu pourras te reposer tranquillement. Suis-moi, je vais t'y accompagner. Nous voilà à Musica Universalis, le secteur commerçant de Crystarium. Tu y trouveras tout le nécessaire pour t'équiper. Oh, ne t'en fais pas pour l'argent. La devise que tu as l'habitude d'utiliser a très certainement cours ici aussi. Avant le déluge de lumière, les gens se servaient de monnaie frappée dans les grandes nations. Mais la catastrophe a provoqué une grande confusion. Après une période d'adaptation, c'est le système le plus rudimentaire qui a primé. Les pièces ont fini par être appréciées pour la valeur de leur métal. Quand nous avons découvert des pièces d'Alag, une ancienne civilisation à l'intérieur de la tour de cristal, nous nous en sommes inspirés pour baptiser notre unité monétaire. Depuis, les guildes se sont répandues dans les régions limitrophes de Crystarium. D'après Yashtola, c'est une monnaie du même nom qui est utilisée dans votre monde. Ces pièces devraient donc avoir une valeur sensiblement identique par chez nous. À propos de découvertes, ce n'est pas la seule que nous avons faite dans la tour de cristal. Certaines ont même grandement amélioré notre quotidien. Je ne serais pas surpris que tu retrouves ici certains appareils ou objets que tu as l'habitude de manipuler. Évidemment, l'idéal serait d'être en contact direct avec le monde primitif pour pouvoir faire venir ou envoyer tout ce dont tu as besoin. Avan Kielmshin? Oui, oui, bien sûr. Je suis toujours là quand on m'appelle. À quoi est-ce qu'on joue aujourd'hui? Bonjour, Féoul. J'ai besoin d'un service. Et comme tu es la plus talentueuse des pixies que je connais, j'ai tout de suite pensé à toi. Je te présente une personne qui est venue de très loin pour nous rendre visite. Elle apprécierait pouvoir envoyer et recevoir des objets de chez elle. Tu crois que tu peux l'y aider? Tu es un de ces humains qui ont voyagé au-delà des confins de leur monde, c'est ça? Il en faut du courage pour faire une chose pareille. Nous autres pixies, on n'est pas aussi téméraires. Bien sûr que je peux t'aider. Il suffit juste que tu passes un pacte avec moi. On est d'accord, tu n'as pas perdu de vêtements, de cheveux ou même un petit doigt en arrivant ici. Parfait, ça veut dire que toi et tout ce qui t'appartient pouvez faire la traversée sans problème. À partir de maintenant, tu seras mon Isnefish et je serai ta Sunayak. Rien ne pourra nous séparer.
route en ta main. Et voilà, à partir de maintenant, tu es mon petit arbrisseau. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai hâte de voir d'où tu viens. Que dirais-tu de contacter ceux de ton monde pour leur dire que tu es bien arrivé? Entendu, j'y vais de ce pas. Féohul appartient à la famille des Pixies, des créatures magiques au caractère particulièrement jovial. D'ordinaire, on ne les voit pas trop se mêler aux humains, mais celle-ci adore se promener à Crystarium pour satisfaire sa curiosité débordante. Bon, il est grand temps que je te montre ta chambre. Cette silhouette. Je te reconnais. Tu es la guerrière de la lumière du monde primitif. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux entendre ma voix? C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le guerrier des ténèbres,
C'est comme ça que je me faisais appeler dans ton monde. Mon vrai nom est Harbert. La prononciation est presque identique à celle du nom que j'utilisais dans le monde primitif. Ce sont nos actions qui ont provoqué le déluge de lumière dans ce monde. Nous étions prêts à tout sacrifier pour les nôtres. Nous avons donc laissé les Asiens nous guider jusqu'au monde primitif, dans l'espoir de le fusionner avec ses reflets. C'est là que tu nous as vaincus. Mais nous y avons aussi rencontré la prêtresse de la lumière, Minfilia, qui a escorté nos âmes dans notre monde. À notre retour, le déluge de lumière était sur le point d'engloutir Norvrant, le dernier continent encore épargné. Mes amis ont combiné leur énergie avec celle de Minfilia pour l'empêcher, et leurs âmes se sont consumées. Je me suis retrouvé seul dans ce monde désolé. Dis, combien de temps s'est écoulé depuis le déluge de lumière ? Cent ans ? Une éternité. Je ne peux plus toucher les choses, et personne ne me voit. J'ai beau crier de toutes mes forces, ma voix n'est jamais entendue. J'erre dans ce monde, mais c'est comme si je n'en faisais plus partie. Je ne suis qu'un fantôme. Je me rappelle avoir marché, beaucoup marché. J'ai tant vagabondé que j'ai fini par oublier où j'étais, et même qui j'étais. Mais un peu plus tôt, ma conscience s'est éclaircie d'un seul coup. J'ai eu le sentiment d'être attiré par quelque chose, et avant que je m'en rende compte, j'étais ici. Comment tu peux me voir ? En fait, j'ai déjà du mal à comprendre ce que tu fais dans notre monde. On t'a invoqué pour sauver le premier reflet, hein ? C'est inutile. Ce monde est condamné, et ceux qui sont assez fous pour tenter de le sauver courent à leur perte. Moi, en tout cas, j'ai déjà donné. J'ai erré si longtemps sur ces terres que j'en ai oublié la raison qui m'avait poussé à me battre. Cela dit, je ne sais pas comment nos routes se sont croisées ou pourquoi tu es la seule personne à me voir. Mais il y a peut-être un sens à tout ça. Je veux savoir pourquoi je suis le seul à avoir survécu. Je veux savoir pour enfin mettre un terme à cette existence sans but. Je garderai un œil sur toi pendant quelque temps. Juste un conseil, prends garde à toi. Les héros ne sont plus les bienvenus dans ce monde.
Alors, comment as-tu trouvé ta chambre? J'espère que tu as pu te reposer un peu. Tant mieux. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas à me le dire. Il est temps que je t'explique où se trouvent tes camarades des héritiers de la 7e aube. Ceci est une représentation récente de Norvrant, le dernier territoire qui n'a pas été englouti par le déluge de lumière. Là, c'est Grand Lac, la région où nous nous trouvons. Au nord, tu as Ilmeg, le royaume féerique. C'est là que se trouve actuellement Uriangé. Yashtola s'est installé à Raktika, une forêt à la splendeur ancestrale. Ce sont des contrées reculées qui demandent certains préparatifs pour être ralliées. Il me semble plus sage d'aller à la rencontre de tes amis qui sont dans des régions proches d'ici, accessibles à dos de montures volantes. Alfino a choisi l'île de Colusia, à l'ouest. C'est là-bas que se trouve Ulmor, la cité des nobles et des riches. D'après ce que j'ai compris, il compte y user de ses qualités de diplomate pour obtenir des renseignements qui pourraient vous être utiles. Sa sœur, elle, a préféré se rendre en Amaren, une région méridionale aux terres asséchées. Il s'agit de la dernière zone habitée avant les immenses étendues dévastées par le déluge de lumière. Et les purgateurs y sont nombreux. Contrairement à son frère, Alizé a préféré commencer par étudier nos ennemis, pour mieux les vaincre. Libre à toi de choisir où te rendre en premier. Sur l'île de Colusia pour rejoindre Alfino, ou en Amaren pour Alizé. Fais-moi signe lorsque tu voudras partir, et je ferai le nécessaire pour te procurer un moyen de transport. Ah, j'allais oublier Sancred. Aux dernières nouvelles, il aurait trouvé un partenaire avec qui il chasse les purgateurs sans relâche. Cela me paraît difficile d'aller le retrouver dans l'immédiat. Mais je suis sûr que vos routes se croiseront à un moment ou à un autre.